Oui, bonjour. Oui, Daniel, ici opérateur Denis dans le Québec-Canada. Oui, ok, Denis, bonjour là. Je t'écoute fort, hein, c'est pour ça que je me suis permis là de passer te dire un petit bonjour, Denis. Ici, le prénom est Daniel et l'indicatif 14 Roméo, Charlie, Charlie 14, 14 RCC 14, Daniel sur le département 40, le sud-ouest de la France là avec les bonnes 73, Denis là, ok? Oui, ok, ben tu arrives pareil, hein, 57, 58, et puis en faisant un petit tour là, je t'ai entendu, et comme c'est pas souvent qu'on s'entend, mais bon, c'est de bon augure là, voilà, l'hiver approche ici sur la 14, et donc j'espère qu'on aura l'occasion de s'écouter eh ben, un peu plus longuement, on va dire, ou plus souvent, parce que là, c'est vrai que c'est assez calme hein, de notre côté sur la 14, et je suis étonné là de t'entendre dans ces bonnes conditions. C'est pour ça que je me suis permis là de passer. Te dire un petit bonjour, Denis. Voilà, 16h36, actuellement 31 degrés ici, là, ok? De sortir mes radios et puis faire l'installation avant de finir de dépacker mes boîtes là, pour les radios là. Fait que c'est ça, je crois que quand j'ai déjà copié peut-être dans le passé, c'est environ 4 à 5 mois, mais en tout cas, je crois que ta voix n'est pas inconnue là, toi. Ouais, ok, Denis, oui, on s'est déjà contacté, je pensais. Je sais pas, tu peux me rappeler ton indicatif, s'il te plaît? Ben, ici, l'indicatif est 14 Radio Canada, Canada, tu vois, ça tombe bien, ou alors Radio 14 Roméo, Charlie, Charlie 14, là, Daniel. Est-ce que tu peux me répéter ton indicatif, Denis? Ouais, ok, Denis, oui, on s'est déjà écouté. Hein. Je pense même que je t'avais fait un enregistrement radio, là, un enregistrement audio sur YouTube, là, tu te souviens? Ouais, voilà, Denis. Ben là, je suis en train de t'en faire un autre parce que j'ai supprimé ces enregistrements. Et voilà, je suis en train de t'en faire un autre. Et comme tu en fais une pointe à 59 plus 10 dB, ben écoute, c'est formidable. Et puis comme ça, tu pourras t'écouter là, ok, Denis? Ouais, ok, bah écoute, là, moi je t'écoute bien, hein. Tu as fait une pointe à plus 10, là ça descend un petit peu jusqu'à 57, mais c'est parfait, hein. Bah écoute, tu as changé de situation, mais géographique, mais en tout cas, ça fonctionne bien, hein. Je pense que là où tu dois être, bah écoute, ça doit être quand même assez cuéro pour faire de la radio, Denis, voilà, bon, on va dire qu'il y a quand même de la propagation, hein, pour que tu me fasses un signal comme ça, franchement. C'est vraiment très agréable. Voilà, ici les conditions de trafic, c'est un Kenwood TS870 SAT. La puissance actuelle est de 90 watts, 100 watts. Le micro a changé depuis, puisque c'est un micro studio là, de la marque Hale, le Hale PR40. Et l'antenne, ben, écoute, c'est toujours la même antenne. La petite deux éléments de chez Rimpex, là, à 12 mètres du sol, Denis, là, ok? Tout près du rouge, là, disons, là, en tabarouette. Fait que c'est ça,
chaud, là. Fait que, je dirais à peu près 10 à 15 000, à peu près, là. 10 à 15 000 entre les deux, environ, à peu près, là. Fait que, c'est ça, là. C'est un peu plus à l'est, disons, vers Montréal. À toi? Ouais, ok, bah en tout cas, ça fonctionne bien, ouais. Peut-être que le fait d'être à côté d'un plan d'eau, ben écoute, ça y fait, mais bon, je pense quand même qu'il doit y avoir de la propagation, hein. Je sais pas, hein, j'étais à l'écoute 555, mais j'étais abîmé, ben j'étais pas abîmé vers toi, hein. J'étais carrément abîmé 45 degrés, et puis en passant sur la verticale, j'entendais un petit peu des stations là, de ton pays qui appelaient, et puis c'est en faisant un petit tour de galette, là, j'étais faire un tour sur 440, là, où j'avais l'habitude. Des fois de vous retrouver, ou 435, bon j'entendais rien, et puis je t'ai écouté là sur 460 avec un très bon signal. Je me suis permis là, de me signaler pour t'envoyer un petit coucou, Denis, là, ok? Ouais, effectivement, oui, parce que c'est vrai que comme je te disais, c'est assez rare, et puis à cette heure-ci, voilà, c'est pas les heures habituelles, mais bon, écoute, hein, si ça veut passer, ben moi c'est pas désagréable, pardon, je veux dire, voilà, du moment qu'on est à la radio en même temps et qu'il y a un petit peu de propagation, eh ben on va dire que c'est bien sympa, parce que ça se trouve pareil que dans un quart d'heure, demi-heure, ou au plus tard 1 heure, il y aura pratiquement plus rien, Denis, là, ok? Ouais, bon, ok. Ben écoute, oui, ben ici on n'a pas de la pluie, mais on risque de l'avoir bientôt. Hein. C'est annoncé là pour la fin de la soirée, je pense, ou la journée de demain, à partir de demain, puisqu'on a encore des très très grosses températures ici sur le sud-ouest, hein, sur le département 40. Actuellement, tu vois, il fait encore 31 degrés. Là, on a eu 2 jours à 35, 36, mais bon, faut pas rêver, hein, ça va pas durer une éternité. Il faut bien s'attendre à ce qu'on ait un petit peu de pluie. Mais enfin, tu sais, le beau temps, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, un jour de pluie, déjà, on commencera à crier de partout. Alors écoute, hein, si on peut avoir encore quelques jours de soleil, on va en profiter. Voilà, malgré que les jours raccourcissent, bien sûr. Mais bon, hein, c'est l'automne qui approche, l'hiver à grands pas. Alors profitons des beaux jours encore, Denis, là, ok?